Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4. Et là, ce n'est pas la saison 3, mais on fait maintenant la saison 4 avec le pays que vous avez choisi. Donc déjà, vous pouvez avoir un petit repère, il y a écrit « Vive la dictature ». Donc pour ceux qui ont voté et qui ont vu l'épisode numéro 0 qui est le vote, et bien vous avez compris qu'on va jouer l'Allemagne et pas la Syrie. Puisque vous avez été nombreux à choisir l'Allemagne, j'étais assez choqué. Je pensais que vous avez pu choisir la Syrie. Bah non, vous avez choisi l'Allemagne. Bon, bah voilà, alors ça va être l'Allemagne. Alors, je vous montre un petit peu, blablabla, voilà, Allemagne. Oui, on va jouer Carmel Gisela. Bref, je voulais vous dire aussi un petit truc. Oui, le pays de la Syrie est bien un pays asiatique. Oui, j'ai fait une erreur en disant que c'était un pays africain. Oui, j'ai fait une erreur. Nous sommes pas tous parfaits. On n'est pas né pour être parfait. On n'est pas né pour dire des choses parfaites. Dans ce monde, ben, si on était né parfait, on n'aurait pas le chômage. On n'aurait pas fait tous des erreurs. On n'aurait pas subi les guerres. Donc, franchement... Ceux qui font des critiques, mais des grosses critiques qui y vont, qui sont limite de l'insulte, ne venez pas. Moi, je suis... Il y a des gens qui m'ont dit, gentiment, oui, la Syrie, c'est pas un pays d'Afrique, tu t'es trompé, c'est un pays d'Asie. Après, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai dit des bêtises. Donc oui, le pays de la Syrie est un pays... asiatique, tout comme tous les pays du Moyen-Orient, hein, voilà, comme l'Arabie Saoudite, l'Oman, le Qatar, etc., etc., sont des pays asiatiques. Ok, ok, on est sûr sur ce truc. Bon, alors on va faire un petit tour sur le niveau de difficulté confirmé, catastrophe confirmée, bellicisme. On va pas le mettre à fond parce qu'on va jouer un petit peu plus en mode ouais, c'est bien la guerre, mais bon. S'il y a trop de guerre, ça va finir comme avec la Chine. Il n'y aura plus trop d'ambiance, donc c'est nul à chier. Donc on va mettre le bellicisme super, super moyen. Voilà, confirmé, c'est bien. Ensuite, terrorisme, on va le mettre au niveau confirmé. Et trouble, on va le mettre au niveau confirmé. C'est parti, vous avez compris, et on y va. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont le monde à gagner, les prolétaires de tous les pays. Unissez-vous ! De Karl Marx. 1818-1883. Ouh, il a vécu, lui, hein ! Il a vécu. Écoutez ce petit reportage. La banale visite d'une école primaire a pris un tour particulier lorsque le chef de l'État a laissé au proviseur un poème qu'il trouverait de bon ton que les enfants entonnent chaque matin. D'après nos sources, le premier vers serait « Gloire à toi qui conduis notre patrie vers la lumière ». Si l'entourage du chef de l'État s'est refusé à tout commentaire, la visite qu'il a rendue ensuite dans l'usine semble préciser sa pensée. Il a en effet expliqué que l'effort de production étant une priorité nationale, un ouvrier qui n'atteindrait pas ses quotas trahissait en quelque sorte son pays et qu'une trahison nationale, cela ne pouvait pas rester impuni. Exactement, et c'est ce qu'on va faire. Vous avez voté comme... Vous avez voté l'Allemagne et j'ai dit qu'avec l'Allemagne, je ferai une dictature. Une dictature et on refera le 4ème Reich, on prendra le Pays-Bas, un peu la Belgique aussi, on prendra la République tchèque, l'Autriche, la Pologne, etc., etc. Enfin bref, des pays quoi, des pays. Donc on va faire ça, ça va être génial, ça va être génial. Je sais pas qu'on était un peu amis avec la Libye. Bon, on va faire un petit truc. Tout d'abord, j'ai fait plusieurs fois des vidéos, mais ça n'a pas marché parce que je suis un gros fou et parce que j'ai jamais joué. Enfin, j'ai très peu joué en dictature. Enfin, pour créer une dictature, et c'est très compliqué à créer une dictature. Donc, en gros, ça va être une saison très, très longue et aussi une saison qui, quand même, sera très, très... Ben, ça vous servira de tutoriel pour comment créer... une dictature. Alors, tout d'abord, pour créer une dictature, il faut quand même
Je sais, vous allez me dire, mais c'est illogique. Là, tu crées pas une dictature, tu crées plutôt une démocratie encore plus libre. Eh bien, vous avez raison, parce qu'on va nominer maintenant le chef de l'État par suffrage universel. C'est-à-dire que ça sera le peuple qui vote. Hop, eh bien, ils sont d'accord, on va pas faire. Hop, c'est comme ça. Ensuite, on va demander à ce que. C'est où? Équipe. Non, on va plutôt viser le Parlement. On va autoriser l'usage du référendum. Hop, on va faire ça. C'est parti. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que dans quelques jours, hein, dans presque moins d'un an, il y aura les élections et je suis tellement nul. J'ai essayé une fois avec les élections parlementaires. C'était le Parlement qui vote. Je n'ai rien compris. Alors, je préfère. Vraiment, je préfère que ce soit les élections au suffrage universel, donc le peuple, puisque j'arrive à compenser un petit peu le peuple et à leur dire des promesses qui sont parfois un peu faux. Mais bon, c'est la seule chose pour se faire élire, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ben ça c'est bon. Allez, hop. Pendant ce temps, il faudrait qu'on prenne des petits rendez-vous avec quelques pays. Je vous en... Des pays de la. Des pays communistes. Des pays qui. Voilà quoi. C'est pas des pays qu'on aime quoi. Par exemple, la Biélo. Pourquoi on pas faire un allié? Pourquoi pas la Russie? On faire un allié. Pourquoi pas protéger la Syrie? Se battre contre le djihad total, les forces de l'islam pur de la Syrie et le califat. Pourquoi pas? Hop. Trangard à ses côtés. Ça revient au même. Faites-moi confiance, on aurait une liberté fondamentale. Déjà, on a la Russie qui a un problème. Eh bien, on va aller déjà leur aider. 10 millions. Attendez, on va leur donner 50 millions. C'est fait. On va calmer nos tensions avec. Bonjour. Hélicoptère, non, je ne veux pas. Je ne veux surtout pas parce que le Apollo? Luxembourg, de toute façon, je vais Oui. t'anéantir. Je regarde un petit peu mon budget. Si là, ouais, il a descendu. Mais bon, si c'est pour aider les Russes. Je suis pas contre. On va encore donner 50 000. Est-ce que ça a calmé nos... Ouais, c'est en train de nous calmer. On est devenu rose, génial. On va essayer de devenir très alliés. Une énergie moderne pour un état moderne. Génial. Nouvelle famille politique. Ouais, on va essayer de calmer les tensions avec la Russie. Pourquoi pas en faire un allié d'ailleurs? Ça serait pas mal. Déjà, on va faire ça. On attend que ça vote pour le droit et tout et tout. Je sais que d'écouter l'hymne de l'Europe, de l'Union européenne. J'adore l'hymne de l'Union européenne. Je sais pas pourquoi. La, j'arrête de chanter. Ah mince, si j'appuie pas ici, c'est sûr que vous allez, ça va pas aller plus vite. Le vote a eu lieu. Excellent. Très très bien. Car les États-Unis vont pas trop nous aimer hein, si on est allié avec les Russes. Attendez, c'est tout? On peut pas aller un peu plus, genre bonjour. T'inquiète, ça je sais. Il serait... Peut pas passer en blanc avec la Russie, s'il vous plaît. Non. Non, non, tu veux pas passer en blanc. RT. Il y a les Kurdes, mais bon, on veut pas aider les Kurdes, non. On est pour les dictatures. Bon, on va attendre ensuite le référendum.
qui disent oui. Normalement, ils vont dire oui. C'est tout, je leur ai donné 1 milliard d'euros et ça leur suffit pas, on n'est que rose. Oh, ça me rend triste. Pourtant, faut être ami, faut être allié avec la Russie. Hein. Sur bien populaire. Ouais, je sais ça. T'inquiète pas, ça je sais. Alors, non, d'accord. Le vote a eu lieu et le très très bien. Bon, déjà, on a fait ça, c'est extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, vous savez quoi? Qu'est-ce qui est chiant dans une dictature? Enfin, qu'est-ce qui est chiant plutôt dans une démocratie? C'est le Parlement, puisque c'est eux qui votent les lois. C'est eux qui votent les lois et qu'ils peuvent interdire les lois que je propose. Donc, qu'est-ce qu'il faut affaiblir? Eh bien, le pouvoir du Parlement. Et le pouvoir du Parlement, eh bien, il est extrême. Oh, il y a un soulèvement en Berlin. Eh bien, on va faire ça par référendum. Attendez, je regarde le sondage. On va faire ça par référendum. C'est beaucoup mieux. Voilà, pour à 52%. C'est génial, ça. La place est sous le contrôle. On va affaiblir petit à petit le pouvoir du Parlement. On va pas aller trop vite. J'ai fait une erreur avant, c'est d'aller trop vite. Maintenant, j'ai compris un petit peu la leçon. On va éviter d'aller trop vite. Et prendre notre temps pour faire une bonne dictature. Une très très bonne dictature. Qu'est-ce qu'ils ont cru ? Oh, j'en ai marre des ceux qui croient des barricades. Il est tout seul. Il croit que sa barricade, ça va nous faire quoi? Voilà, ça sert à rien ta barricade. Nous avons maté. Festival, on va accepter. L'armée avec moi. Oh, ils sont pas contents parce que je baisse. Oh là là. Cette liste. Bon, on a calmé un peu les tensions avec la Russie. C'est déjà ça, hein. Vous voyez, c'est déjà ça. J'ai envie d'aller voir Monsieur Poutine. Ah, bah tiens, il y a la Chine, il y a un problème. D'abord, je préfère que ça soit la Russie, ensuite, ça sera la Chine. Oh ! Et pourquoi pas se demander membre permanent du Conseil de sécurité ? Mais faut que je sois allié avec la Russie et la Chine. Il faut rester dans le concret. Ouais, il faudra qu'on fasse ça. Je suis en train de réfléchir. L'enquête sur les lieux de la... Il y a eu un attentat. Oh, c'est chiant. Non, merci. Bon, on va lui faire un petit truc commercial. Je te vends. En fait, faut plutôt que j'achète. Ouais. Ouais, d'accord. Du bœuf. Ouais. Ciment.
Ouais, t'en produis du cuivre. Ah, t'en produis du cuivre en plus. Hélico. Ah, ouais, t'en produis des hélicos. Or. Ils ont tout de bien en fait. Ah, bah voilà. Ça t'a pas, par exemple. Bon, moi je veux bien t'acheter du carburant parce que je sais qu'on n'en a pas assez. Que toi t'en as assez. Peut pas un petit peu moins. Merci. Je voudrais aussi, monsieur Russie, que je te vende. Ok, non. T'as besoin de fleurs? Non, tu t'en fous du fleur. T'as besoin de pneus? Oh! Mais t'as besoin de pneus, mon cher! Un peu plus? Oh, ok, bon, on va accepter. À d'autres. Mais si, j'ai déjà foutu les pieds. Arrêtez! Bravo. Rencontre Le référendum est internationale. passé. Nouvelle loi entre donc en application. Très bien, on a déjà baissé un petit peu le pouvoir du Parlement en évitant que le Parlement puisse censurer le président, plutôt la chancelière, qui est moi. En gros, ils peuvent pas me censurer, ils peuvent rien faire. C'est déjà quelque chose de très bien. Alors, ensuite, je me pose, il y a tellement de questions qu'il faudrait que je me pose. Ah, il y a encore un problème là à Moscou. Vous voyez, il y a une vague de froid. Et bien, vous avez quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On donne. J'espère que je suis pas en dette. Ah, je suis en déficit. C'est pas grave. Est-ce que ça peut juste calmer mes tensions avec? On est toujours rose, hein. Ah, ça me plaît pas ça. Pourrait être un peu dans le blanc ou je sais pas quoi. Oui, il y a des troubles. Mais pour l'instant, on se calme, hein. Il se passe rien, on se calme. Ce serait sympa qu'on soit plus gentil avec eux. Il n'y a rien à re Enthousiasme. Ta-ta-tam. D'accord. La Pologne est pas mal, hein. Ensuite, on va faire un petit truc. Ah, on aura en excédent, c'est bien. Au niveau de l'éducation. Le peuple, il en pense que c'est bien. Bon, alors on va faire ça. Et là, ils vont mettre. Non, ils sont. Pff, je comprends pas, c'est. Il y a un truc qui m'énerve, qui m'écœure, hein. C'est écœurant. C'est qu'ils disent que le peuple il veut, mais en fait ils veulent pas. Je comprends pas. Il y a un truc qui. C'est chiant. Ok, ben, vous savez quoi? On va faire un truc.
A baissé la TVA. Ça coûtait cher. Oh là 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 là, ça coûte cher. Ça coûte cher, cher à l'Allemagne. Oh putain. Ah, ça craint. Mais bon. Attendez, vous êtes sérieux? C'est tout? Comment voulez-vous qu'on fasse une dictature si tout le monde... Enfin... Ah. Indéniable. 3% du PIB. Lol. Ça n'a pas changé. Baisse encourageante du chômage. Bon, bah, tant que ça baisse, c'est bien. Mais bon. L'analyse. On s'en fout d'Ouzbékistan. Le référendum. Faut que je lui parle à la madame, elle. Faut que je lui parle. Est-ce que elle peut dire oui? Contre de l'argent, je sais pas, mais je lui donne tout ce qu'elle veut. Volontiers. Avec plaisir. Merci. Pas de problème, c'était d'ailleurs dans mes intentions. Ouais, ça je sais. Quel poste me proposeriez-vous? Ce serait un grand honneur. J'attends ma nomination officielle avec impatience. Je regrette, mais nous avons quelques points de désaccord. Soyez plus précis. À quelle somme pensez-vous précisément? Ça. Miam. Merci, merci. Croyez bien que je n'oublierai pas cette petite largesse. Ah, donc elle m'aime énormément, ok. C'est sympa, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Il me semble que nous avons épuisé tous les sujets. Un grand merci pour cet entretien. À très bientôt. C'est complètement des malades, hein. Franchement, c'est des malades. Approuvé. Salut. Je veux que tu dises oui. Monsieur Bremen. Berlin. Et toi là, vous êtes tous des hommes en plus. Très bien, ça va être facile à vous conquérir, vous. Le vote est... Qu'est-ce qui se passe encore avec les finances publiques?
Non, ça va. Volontiers. Ça ne... Vous n'êtes pas mal, non? C'est n'importe quoi. Et je vous donne raison. Soit. Je ne suis pas fondamentalement contre, mais j'ai déjà la carte d'un autre parti. Ça fait peut-être beaucoup. S'envoyer en l'air juste une fois, ça m'a... Ok, t'es complètement bourré. Soyez plus précis. À quelle somme? Si ça peut vous faire plaisir, dites, c'est possible de l'échanger? Oh là là, le mec quoi. Bon, t'as dit oui ou t'es pas... Ou t'es... tu dis non? Ah, c'est celui de Hambourg, hein. Hop, hop, hop. Ah, il est moins contre. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. c'est franchement... C'est dégueulasse. Ce jeu est dégueulasse. Mais à un point, vous vous rendez pas compte. Hein. C'est un jeu, mais affreux, quoi. Volontiers. Avec plaisir. Vous n'êtes pas... Oui. J'espère que vous... Ça y est, plus précis. Je ne suis pas fondamentalement contre, mais j'ai déjà... C'est sympa, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. C'est pas possible. Attendez, et là? C'est incroyable. Non, mais je vais réussir. Oh my god. Le 11. Ah, c'est génial. Faut que je prenne rendez-vous avec lui. Ah, c'est génial, ça me fait baisser. Comme ça, ils vont tous pouvoir peut-être dire oui. Oh, mais en fait, c'est génial. Ça, je ne savais pas. Et B, j'ai bien fait. Ah non, lui, c'est un vert. Il va pas me dire oui. Hop, voilà. Avant tout, il faut que tous les parlementaires soient OK avec moi. Propos dans la presse. En plus, ça me fait monter. Ben pourquoi pas? Ok. Génial. C'est limite de la corruption. Hein. Volontiers. Ça ne sur... Vous n'êtes pas mal. Non plus. Soyez plus précis. Soit. Je ne suis pas fondamentalement contre. Ah. Et je vous donne raison. La prochaine fois, je vous ferai visite. Oh, si ça peut vous faire plaisir. Ça fait peut-être beaucoup. Mais écoute, tant que t'es ami avec moi et tant que tu votes pour allonger mon pouvoir, franchement, je suis pas contre. Puis un bon chef de l'État, un bon dictateur saura quand même. Voilà. Voilà quoi. On dira pas non. Émission de dette, ça je sais. Non mais avec plaisir. Voilà ce qui s'appelle en pas mal non plus. Cette proposition est tout bonnement scandaleuse. Et jette un... Oh non, mince. Nos résultats budgétaires. Ah, avec lui ça marche pas. Oh non, j'espère qu'il va pas intensifier son nom, s'il vous plaît. Chef de l'État. Ah si, il est encore plus contre. Quel salaud. Et moi qui étais gentil avec lui.
Faut dire. Faut lire. Les fêtes de Pâques, bah vas-y, on y va. Je sais pas si j'ai pris déjà rendez-vous avec eux, mais je pense pas. Propos dans la presse, très bien. Notre cellule. Oui, on s'en fout, ça chauffe. Salut, toi. Volonté. Vous n'êtes pas mal. Oui. Cette proposition est tout... Oh, mais purée, mais pourquoi? Ça marche avec des gens et ça marche pas avec eux. Ah non, moi qui croyais que ça allait marcher. Ah, j'ai les boules. Ça me fait quand même rire. Hein. Ça n'augmente pas. Volonté. Vous n'êtes pas mal. De tout cœur, merci. Soit. Si. Je ne suis pas fond. Et je vous donne. Je ne comprends pas. C'est. Ça fait peut-être beaucoup. Bon, attends, est-ce que tu m'aimes bien? Ça va. Bon. C'est bien. Ça va. Faut que j'évite de faire trop ça, de faire l'amour avec d'autres gens, là. 50,5. On peut le faire. Ah mince, c'est demain, le vote. Ah... S'il vous plaît. Notre cellule. Non, la Russie, on va être gentil avec eux. D'ailleurs, la Russie, on va refaire tout notre service d'agent secret. Hein. Top, top, pop, pop, pop. Bon, on va le faire après. Ah, quel effet de GD, c'est en train de prendre les Kurdes. Volons. Avec plaisir. Vous n'êtes pas. De tout que. Je ne suis pas. J'espère. Soit, si ça peut vous faire. Plaisir, bah oui. Quel poste me proposeriez-vous? Ce serait un grand honneur. J'attends ma nomination officielle avec impatience. Très bien. Alors, tu diras oui pour que je sois un peu plus longtemps élu, s'il te plaît. Ça évitera et j'aurai plus de temps pour créer mon... Oh, yes! Ils sont tous d'accord. Ah! Qu'est-ce qu'on aime? Mariage gay. Ouais, je sais, blablabla. Salut. Avec. Vous n'êtes pas. De tout. Cœur, merci. Je ne suis pas. J'espère que. Soit. Si ça peut vous faire plaisir, bah ouais, voilà. Hop, hop, hop. Tout ça comme ça. Le PS sera à moi. Je serai tranquille. Comment voulez-vous que les. Rendez-vous. Salut. Volontiers. Vous n'êtes pas. Yahoo! J'en rêvais. Je collectionne toutes vos photos. Désormais, je serai votre garde-chasse, Lady Chatterley. Oh my god. Bah évidemment, ma choupette. Pourquoi est-ce que tu crois que je suis là? Ah. Oh. Soit, si ça peut vous. Je ne suis pas fondamentalement. Et je vous donne raison. De tout cœur, merci. MDR. Alors là, je
rigole. Vous n'êtes pas. Oui. Je ne suis pas fondamentalement con. Et je vous donne. De tout cœur, merci. Tant d'hommes, blablabla, on s'en fout. Allez, hop. Tant que tu dis que c'est bien. Attendez, chef de l'État. ? 52%, bah écoute. Attends, il y en a pas un qui est du PS ici? Non, ils sont pas du PS. Ah, mon amoureux. Alors ce jeu me fait rire. Oh, c'est affreux. C'est affreux ce que je fais. Mais bon. Écoutez, si ça marche, ça marche. C'est mieux que rien. Oh là là. C'est incroyable. Alors, c'est quand qu'ils votent? Ah, la croissance est bonne. Le chômage y stagne. Cette personne est sous la menace de... On refuse. De toute façon, ça marche jamais quand je fais ça. C'est quand qu'ils votent? Ah, c'est le 11. Ah, mais c'est demain. Génial. Je pourrais être plus longtemps. Ah, 6 ans, c'est pas mal. Hein. Moi, franchement, je suis pas contre. J'aurais plus le temps pour mettre ma dictature en place. Le vote a eu lieu et le projet de loi est passé. C'est génial. Ah, c'est génial. Oh, j'adore ce jeu. Je l'adore. Bon, ben, en tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi pour cette saison 4, le début. Et franchement, ça s'annonce du lourd. Il y aura du lourd. Déjà, ça commence très très bien. Alors, qu'est-ce qui pourra nous arrêter? Allez, je vous dis à ciao tout le monde.